Chers élèves, bonjour. Ici, avant de commencer avec la leçon suivante, nous serons obligés de rappeler d'abord la leçon précédente qui porte sur la conjugaison, le conditionnel présent et le conditionnel passé première forme. Ici, notre leçon porte sur la grammaire, les subordonnées circonstancielles. Suite. Comme nous avons déjà travaillé sur le subordonné circonstanciel avant. Et cette fois-ci, à la fin de cette leçon, vous devez être capable de présenter la leçon, présenter le texte introductif et résumer la leçon. Texte introductif. Bangui se rend chez le directeur afin qu'une place soit réservée à son fils à l'école. Comme l'enfant a déjà l'âge scolaire, il l'inscrit à l'école en offrant du riz au directeur. Puisqu'il écoute bien les conseils de son père, il s'occupe de lui. Nous passons maintenant sur le résumé de notre leçon. Il existe plusieurs sortes de subordonnées circonstancielles. À savoir le subordonné circonstanciel de but, le subordonné circonstanciel de conséquence et le subordonné circonstanciel de cause. Ici, chers élèves, la subordonnée circonstanciel de but, elle est introduite par afin que, pour que, but. Introduit par afin que pour que etc. Exemple, je travaille pour que je réussisse. Je travaille pour que ma famille vive mieux. Je travaille pour que ma famille vive mieux. Je travaille pour que ma famille vive mieux. Mieux. Ma famille vive mieux. Je travaille pour que ma famille vive au mieux. Ou bien encore, je travaille pour que, ici, je travaille pour que ma famille vive au mieux. Ou bien, je travaille pour m'en sortir. Ici, la présence de pour que ça introduit le but. La subordonnée circonstancielle de cause, elle est introduite par comme, puisque, parce que. Cause. Comme. Puisque. Puisque. Parce que. Parce que. Etc. Exemple. Comme il est poli, le directeur l'inscrit sans difficulté. La subordonnée circonstancielle des conséquences, elle est introduite par de sorte que, si bien que, au point que, de manière que. Exemple, la maison du directeur est si belle au point qu'on l'aurait prise pour un palais. Ici, ce qu'il y a à savoir, chers élèves, nous cherchons de savoir comment est la subordonnée circonstancielle. Elle est introduite par quelle locution, afin que, pour que. Et cause maintenant, nous avons comme, puisque, parce que. Conséquence alors, de sorte que, bien que, au point que, de manière que. Merci, chers élèves. Nous venons de finir avec la
Grammaire, les subordonnées, circonstanciel. Suite, à nous revoir dans une autre séquence.